Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Daily. Nous allons parler de décision ça qui se prend par Supreme Court. Et pas oublier si c'est ta première fois que tu as passé par ici là, il y a un bouton rouge subscribe en bas, apaiser pour capable toujours être connecté ensemble avec. En fait, réalité journée aujourd'hui à qui ça lié. Il y a plusieurs states démocrates à nous les red states, notamment sous le leadership de Paxton qui est attorney général de Texas. Bien yon livré dans une bataille sanglante, on dit une bataille judiciaire. Dans presque toute décision que l'administration Biden a prend, surtout décision qui a rapport avec l'immigration. Et nous-mêmes nous promettons pour nous suivre et justement eh bien, ensemble de batailles judiciaires ça pour un bon update. Une décision qui tombe jeudi, c'est le fait que nous connaissons que l'administration Biden a choisi camper sous cause public charge là. C'est ainsi que Texas avec comment l'autre dit bon yo même yo pral dans Supreme Court. Mais c'est jodi à Supreme Court prononcer sous bail ça. Public charge, j'en t'ai toujours expliqué le babo ici là. C'est justement une tentative de la part de administration Biden nan pour mettre blocus dans monde qui a cherché des papiers légalement, pas illégalement non, légalement dans le sens que yo t'a demandé un bon bagaille qui pas qu'on habitué mandé, il a contrôlé food stamp, il a contrôlé Medicaid. Le contrôle éducation, le contrôle est-ce qu'on malade ou ensemble de bas. Quitter en fait c'était en forme on drone était en forme en plus que les I-944 public charge et côté a garder assurance ou ensemble de bas. Biden il monté, il dit li camper sous cause ça. Qui c'était un ouf de soulagement pour un pile monde qui a cherché gain papier dans pays. Et bien jeudi lundi a et bien Supreme Court eh bien, il dit le turn down, dans le sens que il rejette tentative que state républicain ça attorney général il t'a fait pour te remettre en vie cause public charge. Nous bien dit, il t'a pas remettre en vie puisque pratiquement lorsque Biden t'a refusé aller avec dossier ça en appel, donc c'était fini pour cause public charge là. Et d'ailleurs, Biden cap faire révision pour le retourner dans Jean Taye au commencement. Il y a au commencement, c'est le fait que si on moun ou dépend de manière intensive, je parle surtout de cash, l'état bon cash, l'état paye kay pour ou, vous comprenez, on va gagner l'autre source de revenus, donc ou dépend de manière intensive dans l'état. Donc yo te dit moun sa yo, c'est des public charge, donc moun sa kon généralement pas ka pétition, pas ka bay pétition. OK? Donc je dis a et Supreme Court dit nous pas recevoir en clair. Yo di a tèt républicain, bagay sa a fini, ke sa close. Nou pa habilité pour nous vinn présenter le devant puisque ki sa l'té, c'était une décision de la présidence. Et c'est ça vous nèg apprendre respecter. Respecter la présidence. Dommage Texas pas palik président pays a. Yo t'a aimé faire ça parce que moi yo nan toute grande décision Biden a pas. Supreme Court dit tout simplement yo pas capable parce que ça vous demandez même c'est comme quoi pour te prendre place la présidence pour y aller poursuivre le dossier ça. OK, parce que Biden qui de manière formelle lui cède rentrer bagage ça depuis mois dernier. OK, et puisque la vérité ça ne République Charles là c'est des restrictions que t'as faites, des barrières que t'as dressé justement pour monde qui plus pauvre yo cap chercher une résidence pas bon ici aux États-Unis. Donc groupe de Red State, ça, state républicain, amené par Texas, bien sûr. Ken Paxton, son nom pour nous toujours Kenbe. Je dis à ce public charge. Mais on bon l'autre encore. Il va mener la justice. Donc, faut nous suivre. Yo. Parce que c'est comme si yo même y a plein de Biden dans différent Kafou. Je suis tout campé dans Kafou Immigration. Décision sous immigration. Nous songeons que même personne ça a dit non qu'a quitté juste en Illinois. Côté district court là té vaqué rule ça nationwide me songé dans Illinois il était retiré règlement ça et donc Biden qui drop appeal li donc public charge là mouri dans moment là dans un brief order qui sorti jeudi lundi a Supreme Court fait connait avec monsieur dame avec attorney général républicain ça yo que yo pas capable entrer dans bataille ça. OK. Yo dit que yo pas capable entrer dans bataille ça.
OK? Donc yo di yo pa ka rentrer la donne tout simplement. Bon, jusqu'à présent et n'a yo beaucoup réagi, Paxson nan surtout et li beaucoup réagi par rapport avec mauvaise nouvelle ça qu'elle recevoir pour lundi a. Et attorney général Texas qui te rejoint par yon motion ça de plusieurs attorney général de Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, South Carolina ou Virginia. Bon miracle nous pas et Florida la donne. Miracle nous pas Florida la donne. Donc c'était en 2019 Biden t'est justement t'est passé update sur public choice. Ça nous connaît que qui est entré en application de manière effective je crois à partir de mars 2020 qui est entré en application à partir de mars 2020 and then et nous après en pile bataille fait public choice ça plusieurs fois au Kimbel il a relancé encore finalement finalement et yo repousser républicain yo on moun nou capable di dossier ça fait mais ou pas gain pour penser parce que ça te gain c'est que bon bon moun souvent bon ici là qui on a posé une question est-ce que m ka utiliser food stamp est-ce que m ka utiliser Medicaid bon qui te gain sens yo puisque à la vérité bon valeur et food stamp et Medicaid moun a utiliser li ta bon problème bien que là c'est tellement compliqué gain moun qui te confond ni sou gain petit tout citizen ni tout c'est citizen nan ka utiliser li pa ta bon problème mais gen moun ki te just pa vle pou al nan problème trop confusion yo te choisi pa fè ça mais en tout cas nou vle di que c'est plus à la mode ou pa gen pou poser tête question pou fout simple pou pran medicament la tout bay medical it just pa make sense santé pa ta ka un problème pa bay moun nan manje santé obligé on luxe tout OK guys. Donc voilà, Supreme Court prononcé ce dossier ça jeudi lundi. Mais avant tout, toujours dire lundi, Supreme Court prend un case là. Ça a rien rapport avec Second Amendment, mais causer ça moi. Second Amendment. Ça nous le concept gun, gain un loi acte point qui te dit que state là capable restriction de zone, restriction de zam là dans la Supreme Court, il a annoncé que on va considérer Second Amendment non case qui concerne New York. Et loi de New York qui mettait restriction à des individus pour yuta kembe zam et nan place publique. Donc Supreme Court pral justement tande dossier ça qui gen rapport avec Second Amendment. Bon, en tout cas, nous va suivre. Avant tout, nous connais moni c'est vraiment zam en pile. Bon, ou gen doit ouais, parce que c'est un problème bay ça. Tout le monde gon l'amour pour ça même si tu as regardé une vidéo là yon ti moun 13 ans on expérience yon fait yon fait l'alder manjon la lâche ton cigarette yon dit non nous pas boire cigarette ou gen la pour ça la lâche ton billet yon dit non ou gen la pour ça pas ka acheter billet la lâche l'auto yon dit mais de qui l'âge dit yon dit non ou gen l'âge pour ça donc toutes des séries de bagaille qui alder fait yon garder le dit yon ki mande ki la jou bay sa ou li pa arrive fè. Pourtant, même si moun sa rentre non kote yo vann zam et puis facilement l'arrive acheter zam nan. Son expérience pou te montre ki jan ke acquisition zam facile moun ti moun 13 ans. Mais c'est ça lié. Ça vous comprendre. Et nan gen de et gen ensemble de façon yo vann zam nan pays sa, c'est en véritable désordre. Ça va gain background check en rien en véritable désordre causé ça en tout cas et nous te voulons partager ensemble de information ça qui a rapport avec ça qu'a dit et au niveau de Supreme Court et nous promettons qu'on suivre tout l'autre bataille judiciaire que state ça a fait avec Joe Biden dans les jours à venir. C'était un véritable plaisir hein? Bye bye tout le monde.